Bien le bonjour à tous et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le 34e épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy avec Alison Van Craft. Nous devons apprendre le sort Bombarda pour aller dans l'ombre de la montagne avec Sebastian. Donc nous allons tout de suite essayer d'obtenir un Dirico. On va aller ici tout de suite, mes chers naufragés d'internet. Bon, il fait nuit, je sais pas si on va bien voir les animaux. Ah, c'est ça les Dirico? Qu'est-ce qui se passe? Des Infurius? Pourquoi il y a des Infurius ici? Je sais pas pourquoi il y a des Infurius ici, mais ils vont dégager. Faites attention, hein. Alison Van Craft est en forme. Donc ils sont où, mes petits Dirico? Là, je leur ai fait peur avec l'Infurius. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Je suis désolée de vous avoir fait peur, pardon. Ah, ils sont là. T'inquiète pas, mon petit. Allez, viens vers moi. Ok. Voilà qui est fait. Je ne te veux aucun mal. Et maintenant, 800 mètres, c'est loin ça. Oh, écoutez, on va faire un petit tour en balai, ça va nous faire du bien. Oh là là, on est dans les marécages là. Je sais même pas où il est l'ennemi. Ah, il est là. Tranché un fangeux pendu par la langue. Mais comment est-ce que je fais ça moi? Allez, le fangeux de ses morts là. Et on va se calmer le fangeux là. Ah, tu te caches! Tu te caches, c'est comme ça! Oh, il y en a un autre! Il y en a un autre qui se ramène! Il y en a trois! Eh, mais doucement là, sérieux! Non, mais là, il a amené toute son armée! Il a amené le père, la mère. Il y a tout le monde là! Je me fais attaquer par toute la famille! Laisse-moi ta langue toute une nuit! Ouch! Et doucement là! Je veux pas mourir à cause des fangeux de la mort là! Et on se calme s'il vous plaît! Je. Laissez-moi tranquille! Mais arrêtez d'amener toute votre famille là! Toi tu me saoules! Il y a le jeu de cette famille! Mais je suis coincée dans les feuillages! Mais je sais même pas où je suis! Mais je suis coincée frère! J'étais venue aller me chercher mes petits animaux là! Non mais sérieux, il y a toute la famille qui m'attaque. On se calme, on se calme. Mais il y en a combien? Non mais attends. Non mais c'est pas possible là. Il se fiche de moi le jeu là. Mais regardez. Mais je suis dans leur territoire ou c'est quoi le truc là? Bah allez, moi je me casse. Allez, salut. Mais où est-ce qu'ils sont? Tant qu'il y a les fangeux, ils voudront pas passer hein. Allez, je les attaque de loin comme une lâche. Non mais attends, mais là j'ai réveillé tout le monde là. Easy de cauchemar. Non mais tant qu'il y a les fangeux, on est d'accord qu'ils viendront jamais. Ils viendront pas. Je suis obligée. Je suis obligée de les tuer, j'ai pas le choix en fait. Je vais finir par crever avec vos bêtises le jeu là. Ça y est, je suis morte. Tout ça pour des pauvres trucs de capture. Votre aventure est terminée. Oui, je sais. Je sais qu'elle est terminée, mon aventure. T'as pas la peine de me mettre une musique dramatique? Des Infurius, maintenant? Non, mais sérieusement, on a toute la compagnie créole juste pour... prendre deux petits trucs? J'ai toute la compagnie créole à défoncer. Ah, mais ils renaissent de leurs cendres! Mais c'est quoi cette merde? Mais j'ai réveillé tout le cimetière! Non, je me casse, moi. Pourquoi j'ai réveillé tout le cimetière? Mais elles sont où, ces crapauds, là? Non, mais j'ai réveillé toute l'armée de Bourbaki. Peut-être que la nuit, je me fais attaquer par tout ce qui bouge et qu'il faut venir la journée. Non, mais je me fais languifier, moi! Sérieux! J'en ai marre, je me casse. Alors, le jour... Est-ce qu'il y a moins de Gugus? Voilà, c'est ça. Salut les crapauds. Non, je veux pas lui tirer dessus. Non, mais laissez-moi. Toi, tu m'énerves vraiment. Salut toi.
Allez, viens vers moi, s'il te plaît. Allez. Allez. Voilà. Merci. Ok. Voilà, on va pouvoir apprendre Bombarda, enfin, mes chers naufragés d'Internet. Et on va aller à la carte de Poudlard. On va pouvoir aller rejoindre le professeur Owen pour apprendre Bombarda. Et ça, ça va nous faire du bien, mes chers naufragés d'Internet. Bombarda, ça va clairement faire du bien. Oh, la salle de la carte. Ah, la salle sur demande. Comme ça, je vais pouvoir aller voir Chicus. Je me demandais où est-ce qu'elle était. Ah, il est là, Chic. Je vais pouvoir lui raconter pour son ami, là. Salut. Je suis du retour de la grotte, Chic. Je suis de retour de la grotte, Chic. Bah, ça fait 1000 ans que j'ai fait cette quête. Chic espère que vous avez salué Tobbs. Mais il est mort, mon petit. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chic. Mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chic, tout seul dans cette grotte, pauvre. Depuis le temps que je la cherche, cette salle sur demande. Appartenait autrefois. Donc maintenant, il faut que je me souvienne qu'elle est près de la tour d'astronomie. Nous avons été séparés à sa mort. Chic aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chic a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs, oh, t'es trop gentil, Chic. Chic lui lèvera son verre, le cœur bien. Oh, je suis désolée pour ton ami. Il faut tourner la page, c'est horrible. Merci. C'est horrible de dire ça, il faut vous tourner la page. Il n'y a qu'un serpentard pour répondre ça. Si, ça ne vous dérange pas. Mais bien sûr, Chic, prends ton temps. On va aller libérer, gérer les créatures. On va ajouter tout le monde. Ok. Bonjour. Oh, regardez. Il est triste. Il a besoin d'être nourri, le pauvre. J'arrive, mon petit. Voilà, je te brosse. Voilà, t'es brossé. Oh, il est trop mignon. Tiens, des petites croquettes. Allez, bon appétit. Oh, regardez le veau de lune, il est trop mignon. Par contre, vous savez que vous avez un grand espace, vous n'êtes pas obligé de vous coller. Oh, lui, il va être brossé de nouveau. Je le sens. Oh, il est trop beau. Trop mignon. Oh, il y a des trucs là-bas. C'est un autre veau de lune. Coucou, mon veau de lune. Voilà. Salut toi. C'est un autre boursouf. Elle est trop belle la musique. Oh, c'est magnifique. C'est de toute beauté, mes chers naufragés d'Internet. Bon, on va pouvoir aller voir les créatures magiques. Je me rappelle plus du tout à quoi elle ressemble, le professeur Owen. Je crois que c'est une femme. Mais je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Je l'ai vue qu'une seule fois. Si, si, c'est une femme. J'aurais pas dû me mettre dans la tour d'astronomie. Là, je suis en train de descendre tous les escaliers du monde. Bon, j'imagine qu'il y aura Poppy en première loge. Oh, trop chou. Voilà, il y a Poppy en première loge, j'avais deviné. Nanati aussi. Oh, Nifleur. Ah oui, c'est vrai qu'elle ressemble à ça, le professeur Owen. Oh, c'est beau. Ah, il y a Seb aussi. Tout le monde est là. Mon frère va mieux. Ah, ça rame, je ne sais pas pourquoi. On manipule vraiment trop de boost dans... Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. Oui, je veux apprendre Bombarda, s'il vous plaît, madame. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde, néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Non, non, je vais l'utiliser tout le temps. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Je lui dis bien sûr, professeur, mais j'y pense pas un mot. T'inquiète pas, je vais dégommer les gobelins avec ça. Précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. C'est pas grave. Allez-y. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas appris un sort. Avec la baguette. C'est parti. Le sortilège d'explosion est très sensible.
Et voilà, Bombarda, tu es à moi. Ça, ça va nous servir, ça. Bravo. Ok, il est où ton mannequin ? Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Faites un essai sur les citrouilles. Pourquoi je peux pas faire un essai sur toi ? Regarde, je vais essayer sur toi, Bombarda. Bombarda. Ah bah super, je pouvais même pas. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Bombarda. Excellent ce sort. Magnifique. Ça, ça va beaucoup me servir au combat. Professeur, puis-je vous déranger un moment ? Oui. Qu'y a-t-il ? Oui. D'où vient votre intérêt pour les créatures magiques ? Bah non, je m'en fous. Bon, on va faire semblant de s'intéresser à elle. D'où venait cet intérêt pour les On va faire semblant de s'intéresser à elle, méchant projet d'internet. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine ? Pas du tout. À vrai dire, non. Mais j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à choisir cette voie. Elle va faire semblant de s'intéresser. Chercher à comprendre ce qui a poussé une personne à choisir sa voie est tout à fait louable, j'imagine. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. C'est tellement too much. À quel moment votre voix vous est apparue clairement ? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Oui, c'est bien, mais au revoir. Trouver un Okami dans les montagnes... Je peux pas dire, bon, vous me saoulez, madame, s'il vous plaît, maintenant. Elle me raconte sa vie. Jours, pendant lesquels mes parents étaient... Tu peux parler plus vite aussi, c'est gratuit. En mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il est mort. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Mais tu sais que je m'en fiche. Rien. Mais je m'en fous, en fait. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients... Mais moi, j'aime pas utiliser les animaux. Des cœurs de baguette. Mais je m'en Seuls fous. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Bah, encore je bien. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu. J'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le... Mais je ne vois pas ce que c'est un Okami, madame. En effet. Oh là là, misère. Mais elle me raconte sa vie. Je m'en fous. Afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Oui, bon, c'est magnifique. Je pense voilà, merci. Répondu à votre question. Oui, beaucoup trop même. Vous devriez continuer votre étude des créatures. Allez, on va aller voir Seb et après on va s'arrêter. Vous choisissez. Oui, c'est fantastique. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie. Et la sauveront même peut-être un jour. Ne t'inquiète pas, je suis déjà morte plein de fois. Don't worry, madame. On va pouvoir suivre la quête de l'ombre de la montagne. Carte du monde, t'es à l'autre bout de la map, forcément. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Mais tu es à l'autre bout de la terre. Et la fumée de cheminette la plus proche, c'est celle-ci ? Nom d'un petit bonhomme, je suis à l'autre bout du monde là. À l'autre bout du monde, j'en ai marre de voler. Sébastien, qu'est-ce que tu fais au milieu de la terre ? Non mais il est dans les montagnes d'Heidi lui. Heidi, Heidi, Sébastien, Heidi. Heidi, Heidi, Sébastien. Veuillez descendre pour rentrer. Non mais c'est une blague. Mais tu me saoules, l'atterrissage n'est pas disponible. Tu me casses les pieds. Pourquoi je ne peux pas descendre? Mais c'est pas possible, c'est... Sébastien, tu me casses les pieds. J'étais obligée de descendre ici. Non mais sérieux là. Je vais à l'autre bout du monde pour toi, Seb. Heureusement qu'on a ces petites lignes, hein, pour savoir où on va. Moi, je ne peux pas m'en passer.
Allez, les goblinous, là, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps du tout, là, les gobelins, là. Où est-ce que c'est, la route? Oh là 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 là, mais j'en ai marre, je trouve pas la route, Seb. Comment est-ce que je suis censé savoir où il est, sérieux? Faut rentrer là-dedans? Faut rentrer dans ce truc? Ah oui, c'est là qu'il faut rentrer. Non mais sérieux, où est-ce que t'es encore allé là, Seb? Ah ok, mes chers naufragés d'internet, il faut passer par là. Donc on va se quitter ici parce que il va falloir faire des combats avant de retrouver Seb. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve samedi d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était... Allez, pour vous servir.